Chers frères et sœurs, nous sommes à la sixième prêche, dans lequel nous sommes en train de commenter Sourate Al-Hujurat. Cette constitution qui nous montre comment le musulman doit se comporter à différents égards. Et nous sommes arrivés à l'endroit où Allah tabaraka wa ta'ala dit « Wa in ta'ifatani minal mu'minina qtatalu fa aslihu baynahuma » Et si deux groupes de croyants, si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se révolte jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre d'Allah. Puis s'il s'y conforme, réconciliez-les avec justice et soyez équitables car Allah aime les équitables. On a cité deux raisons pour la révélation de ce verset, mais une est faible parce que elle s'agit d'un événement qui est arrivé au début de l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Or, ce verset-là a été révélé à la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Mais il y a une autre cause qui a été citée par Qatada ainsi que par Souddi, et selon laquelle il y a un homme qui est entré dans un conflit avec son épouse. Et l'homme appartenait à une des deux tribus, Al-Aws ou Al-Khazraj, alors que son épouse appartenait à l'autre tribu. Et suite à ce conflit conjugal, le conflit s'est étalé jusqu'à ce que chaque tribu est venue défendre le sien. Et c'est comme ça que le combat s'est éclaté entre les deux tribus. C'était un combat aux mains, un combat avec les chaussures et un combat avec les bâtons. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour concilier entre les uns et les autres. Et c'est suite à cet événement qu'Allah azza wa jal a révélé ce verset. Et bien que ce verset parle du combat, c'est-à-dire un combat guerrier, un combat avec les armes, là il parle du pire, de ce qui peut arriver entre deux parties, deux groupes musulmans. Là, bien entendu, le même verset peut s'appliquer à tout litige qui peut éclater entre deux groupes de musulmans, avant même d'arriver au combat. Et nous savons très bien que les causes des litiges peuvent être multiples entre deux groupes. Ça peut être un litige idéologique, ça peut être un litige à cause de considérations tribales, ça peut être à cause d'un assassinat qui est arrivé dans une tribu et que l'assassin soit de l'autre. En tout cas, les causes sont multiples, mais le résultat est le même, et le but c'est de trouver une solution pour que ce litige-là ne mène pas à une dégradation qui serait désastreuse pour toute la communauté musulmane. Nous savons très bien que Shaitan ne cesse de semer la zizanie entre les musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cet égard, dans un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim, il a dit « Satan a désespéré d'être adoré par les gens dans la péninsule arabique, mais il n'a pas désespéré de semer la discorde, la zizanie et les conflits entre eux. Puisque Savon ne peut pas pousser ces gens-là à apostasier leur religion et à adorer autre que Dieu, donc il va essayer de les pousser au pire. Et le pire, c'est de les pousser au conflit et les pousser à un combat qui risque d'être sanguinaire. Normalement, les musulmans ne doivent pas se combattre entre eux. Et normalement, les musulmans ne doivent pas entrer dans des litiges irréparables entre eux. Parce que le prophète Allah Azza wa Jal et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessent de nous dissuader de tomber dans ce genre de situation. Donc c'est quelque chose qui théoriquement devrait arriver très très rarement. Et c'est ce qui explique justement que Allah Azza wa Jal dans le verset, il a utilisé la particule in. Wa in ta'ifatani. Le « in », on a déjà cité que c'est une particule de condition qui parle d'un événement qui est susceptible d'arriver ou qui arrive rarement. En revanche, lorsqu'on utilise « ida », il s'agit d'un événement qui arrive souvent et régulièrement. Donc Dieu
en utilisant « in », il est en train de nous dire déjà ça doit être exceptionnel, ça doit être marginal dans la société musulmane que deux groupes ou deux personnes entrent dans un conflit grave entre eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de dissuader le musulman de tomber dans cet égard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari sur Abu Bakr ibn al-Harith, ce dernier dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si deux musulmans se croisent ou bien s'affrontent avec leurs épées, l'assassin et l'assassiné seront dans l'enfer. » Et Abu Bakr de s'exclamer devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut comprendre pourquoi l'assassin serait dans l'enfer parce qu'il a tué son frère. Mais pourquoi l'autre qui a été assassiné serait-il dans l'enfer? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, parce qu'il était déterminé à tuer son frère. Et ceci montre que Allah Azza wa Jal peut juger sur une intention, même s'il n'a pas été traduit en acte. Lorsque l'intention arrive à un degré de détermination, Allah Azza wa Jal peut juger la personne dessus. Et c'est le cas de cette personne qui a trouvé la mort. Allah Azza wa Jal aussi va la juger, parce que lui aussi, il était déterminé à tuer son frère. Et ce genre de hadith a pour objectif d'empêcher les musulmans d'entrer dans la guerre, de les dissuader d'entrer dans la guerre. Mais le problème, c'est que la réalité peut montrer tout autre chose. Et nous savons tous que même les compagnons, ridwanullahi alayhim, sont entrés en guerre entre eux. Et pas n'importe quel compagnon, parmi lesquels, des deux clans, il y avait ceux qui étaient annoncés au paradis. D'un côté, par exemple, Ali ibn Abi Talib, qui était annoncé au paradis. De l'autre côté, Az-Zubayr ibn Awam, Talha ibn Ubaidillah, qui étaient annoncés tous les deux au paradis. Et malgré ça, un combat sanguinaire a éclaté entre les deux. Et comme l'islam, c'est une religion réaliste, donc elle parle de la réalité, des choses qui peuvent arriver. Et elle donne aux musulmans les outils nécessaires pour trouver une solution à des conflits, combien même ces conflits sont catastrophiques, sont graves, et qui peuvent arriver même à une guerre avec les armes. Donc voilà l'outil qu'Allah Azza wa Jal donne aux musulmans. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu, si deux groupes de musulmans se combattent. Alors iqtatalu, le terme arabe là, c'est un verbe qui a été conjugué ici au passé. Et lorsqu'on utilise le verbe qui est conjugué au passé, il signifie parfois que la chose est faite, a été déjà faite, ou la chose est en train de se faire, et il peut signifier aussi que la chose risque de se faire. C'est comme lorsqu'Allah Azza wa Jalla s'adresse aux croyants en disant « Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salat » « Oh vous qui avez cru, lorsque vous souhaitez vous lever pour accomplir la prière, lavez votre visage, lavez vos mains, et ainsi de suite. » Ça veut dire accomplissez les ablutions. Et bien entendu, les ablutions, on les accomplit avant la prière. Donc lorsqu'il a dit « idha qumtum », là il a utilisé le passé. Lorsque vous êtes levé, lorsque vous vous êtes levé pour accomplir la prière, accomplissez les ablutions. Et la signification, lorsque vous souhaitez vous lever. Donc avec un raisonnement par analogie, on comprend aussi dans ce verset-là qu'Allah Azza wa Jal nous dit « Si deux groupes de musulmans sont sur le risque d'entrer en guerre, là il faut aller vite, il faut se précipiter pour concilier entre eux et pour empêcher la guerre et pour empêcher le désastre qui se profile dans l'horizon. » Et donc c'est comme ça aussi qu'il faut comprendre ce verset. Chers frères et sœurs, lorsque deux groupes de musulmans s'affrontent entre eux, il faut utiliser tous les moyens de réconciliation entre eux pour apaiser la situation et pour éviter l'engrenage du conflit afin qu'il ne tombe pas ou qu'il n'amène pas les uns et les autres vers une guerre sanguinaire. Mais à supposer maintenant qu'ils ne voulaient pas entendre ou que l'un des deux groupes ne veut pas entendre raison et que l'un des deux groupes a tort selon les règles de la justice, ce groupe-là a tort. Il est en train de faire du mal. C'est un groupe despote. C'est un groupe qui sème la corruption sur terre. Là, bien entendu, il ne veut pas entendre raison. Là, il faut l'arrêter avec force. Même s'il faut utiliser la force. Bien entendu, ici, le Coran, il parlait dans un contexte à l'époque où les gens vivaient sous forme de tribus. Il y avait la loi tribale qui gérait tout, telle tribu contre telle tribu. Chaque tribu, il pouvait avoir son chef, il pouvait avoir ses lois, il pouvait avoir son armée, et ainsi de suite. Donc ici, Allah Azza wa Jal, il parle dans un contexte général, et il dit, si vous voyez que deux groupes
de vos frères sont en train de se combattre, apaisez la situation. Si vous n'arrivez pas à leur faire entendre raison, regardez parmi les deux quel est le groupe qui est transgresseur. Enfin, in barat ihdahuma. Il bari, ça veut dire la transgression, ça veut dire l'injustice. Regardez celui qui est injuste, celui qui est transgresseur, et dans ce cas-là, combattez-le. S'il faut utiliser la force pour ramener la paix, il faut l'utiliser contre ce groupe transgresseur. Et bien entendu, si on veut utiliser cette injonction dans un contexte comme le nôtre, là, bien entendu, il y a des États, il y a des gouverneurs, il y a un système juridique, et c'est cet État-là, ce système juridique qui gère les affaires des musulmans. Donc lorsqu'on voit, par exemple, qu'un groupe sorte dans un pays musulman, un groupe complètement égaré, un groupe qui sème la corruption sur terre, même s'il utilise des thèses religieuses fausses, et combien de personnes justement exploitent la religion pour des desseins et pour des objectifs injustes. Donc là, bien entendu, l'État a le devoir de stopper leur danger et a le devoir de les combattre. On a vu il y a quelques années certains groupes qui se prévalent de l'islam et de la justice de l'islam, qui ont semé la corruption, qui ont tué les gens ça et là, des musulmans, des non-musulmans, mais d'une manière vraiment arbitraire et sur la base d'aucune logique religieuse. Dans ce cas, les musulmans doivent se défendre et ils ne peuvent pas laisser ces gens-là semer la corruption sur terre contre les musulmans ou même contre les non-musulmans. Donc l'islam, vous voyez qu'il est pragmatique et qu'il est réaliste. Et malgré ça, il les appelle croyants. Dans tout le verset, il les appelle croyants. Ceux qui se sont combattus, ceux qui vont intervenir pour concilier entre eux, il les considère comme tous des croyants. Mais il ordonne quand même de combattre les injustes, même s'ils sont croyants. Et ça, il faut le savoir. Jamais l'islam n'a combattu autrui sur le simple fait que ce dernier appartient à une autre religion ou a choisi une autre religion. Jamais de la vie. L'islam, lorsqu'il a demandé à lever l'épée, c'est toujours soit pour se défendre contre un transgresseur, soit pour stopper la transgression d'un ennemi. Et là, ce verset le prouve. Le Coran lui-même, il ordonne aux musulmans de combattre des musulmans lorsqu'ils sont injustes, pour faire régner la justice sur terre, même s'ils sont croyants, même si le Coran lui-même, il les qualifie de croyants, et il ordonne aux musulmans de les combattre. Parce que ce qui compte, c'est instaurer la justice. Alors que les questions de la liberté religieuse, l'islam, il la garantit. Afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin. Est-ce toi, prophète, Allah Azza wa Jalla dit au prophète, est-ce toi qui va contraindre les gens ou contrarier les gens à ce qu'ils soient croyants? Est-ce toi qui va contraindre les gens à être croyants? Non. Chacun a le droit de choisir ce qu'il veut. Wa law sha'a Allahu lakana an-nas ummatan wahida. Si Dieu le voulait, les gens seraient tous croyants. Ils seraient une seule communauté. Mais Allah Azza wa Jalla a donné la liberté de chacun. C'est le jugement, il est auprès d'Allah Azza wa Jalla. Mais entre vous, vous devez le respect et donner la liberté à chacun de choisir ce qu'il veut. Mais il faut faire régner la justice. Et c'est cela, la logique, bien entendu, qu'on trouve dans tous les pays. Si les pays prennent des armées, de la police et tout ça, justement, c'est pour faire régner la justice. Et une certaine justice, et éviter qu'il y ait des transgressions. Ça, et là. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit: فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Si ce groupe-là, le groupe transgresseur, si ce groupe se conforme à l'ordre de Dieu, dès qu'il revient à la raison, vous arrivez à le stopper même par la force, s'il se conforme à l'ordre de Dieu, réconciliez-les avec justice et soyez équitables, car Allah aime les équitables. Parce qu'on a toujours cette tendance, lorsqu'on voit un groupe qui a semé la corruption et qu'on l'a stoppé avec la force, après on a toujours cette tendance à devenir inéquitable. Parce qu'ils étaient injustes, on va être injuste vis-à-vis d'eux. Non, tu les as stoppés avec la force, tu vas les juger conformément à ce que dit la loi. Donc par exemple, ils ont provoqué des dégâts matériels, il faut qu'ils payent les dégâts matériels de ce qu'ils ont causé. Tu ne vas pas leur demander de payer le double par exemple. Voilà. Il y a par exemple une amende ou quelque chose comme ça. Cette amende doit être à la hauteur des dégâts qu'ils ont commis. Tu ne peux pas utiliser le prétexte qu'ils aient été injustes pour les charger trop ou pour leur demander plus que ce qu'ils n'ont fait. Non, il faut rester équitable. Et là, Allah Azza wa Jalla, vous voyez comment il veut qu'il y ait l'équité jusqu'au bout. Je vous ai autorisé à les combattre, mais c'est seulement pour restituer la justice et l'équilibre, qu'ils payent leurs fautes et ensuite ça s'arrête là.
Vous ne devez pas leur en vouloir toute leur vie, parce qu'il faut leur ouvrir une porte de repentir, une porte pour qu'ils comprennent la religion comme il est. Et justement, même combien il y a eu d'égarés, d'extrémistes dans nos sociétés qui apparaissent, bien entendu, lorsqu'ils ont eu le jugement qu'ils méritent, après, il faut essayer de leur faire entendre raison sur ce que dit réellement le Coran, et qu'ils ne restent pas dans leur égarement, parce qu'il faut enlever le mal depuis sa racine. Et le mal, cette fois-ci, il est un mal idéologique. Donc il faut continuer à les convaincre du non bien fondé de ce qu'ils ont fait, avec les textes, avec des arguments religieux, jusqu'à ce qu'ils trouvent la raison. Parce que le but, c'est quoi? C'est de faire régner la justice. Et le but n'est pas d'exterminer les personnes ou d'être outrancier dans la réponse à une injustice. Et donc, vous voyez comment le Coran est précis dans l'instauration de la justice. Wa'di inna Allah wa aqsitu, soyez équitable. Inna Allah yuhibbu al-muqsitin, car Dieu aime al-muqsitin. Et dans un autre endroit dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit que la haine envers un peuple ne vous incite pas à être injuste. Que la haine que vous avez contre quelqu'un ou contre un peuple ne vous pousse pas à être injuste. Pratiquez l'équité, cela est préférable auprès d'Allah Azza wa Jal. Ceci est préférable pour être pieux et pour être conforme à la crainte révérentielle que l'on doit avoir. Et donc vous voyez comment le Coran est toujours juste et il appelle toujours à la justice. Chers frères et sœurs, ensuite vient un verset dans lequel Allah Azza wa Jalla dit innama al-mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde, réconciliez entre vos frères et craignez Allah afin qu'on vous fasse miséricorde. Ce verset nous montre le pourquoi de l'injonction précédente. Pourquoi Allah Azza wa Jalla fait injonction aux musulmans de concilier entre des groupes qui se combattent entre eux ou qui rentrent dans un litige? Parce que les croyants sont des frères. Et l'expression, la syntaxe qui a été utilisée dans ce verset-là attire l'attention. Allah Azza wa Jalla dit innama c'est une particule dans la grammaire arabe. Innama, c'est une particule qui signifie la confirmation et qui signifie la restriction. C'est-à-dire, les musulmans, les croyants ne peuvent être considérés que comme des frères. Que comme des frères. On ne peut pas les considérer autrement. La relation qui doit les lier, c'est une relation fraternelle. Et en plus de ça, Allah Azza wa Jal a dit « ikhwa ». Il n'a pas dit « ikhwan ». Il y a une nuance entre les deux termes. « Ikhwan », ce terme-là, s'utilise lorsqu'on veut faire comparer quelqu'un à l'autre, montrer la ressemblance qu'il y a entre eux concernant un sujet bien particulier. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit « innal mubadhirina kanu ikhwan ash-shayatin ». Certes, les dépensifs, sont les frères de Shaytan, de Satan. Et là, il a utilisé « ikhwan ». En revanche, le terme « ikhwa » s'utilise lorsqu'il s'agit d'une fraternité de sang. Les deux personnes qui ont le même père, ou bien ils ont la même mère, ou bien ils ont les deux en même temps. Le père et la mère sont les mêmes. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla, en parlant des frères de Yusuf, il dit « ikhwatu Yusuf ». Il ne dit pas « ikhwanu Yusuf ». Et vous voyez dans ce verset-là, en parlant du lien qu'il y a entre les musulmans, il n'a pas dit « ikhwan », il a dit « ikhwa ». Comme s'ils étaient de frères d'un même père et d'une même mère. Parce que la fraternité de la foi, parfois, elle est souvent prime sur la fraternité du sang. La fraternité de la foi est très forte. Et voilà pourquoi il faut la préserver coûte que coûte. Et voilà pourquoi parfois il faut utiliser parfois la force contre un transgresseur, un musulman transgresseur. Parfois, il faut utiliser la force pour l'empêcher de faire le mal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce propos, sois à côté de ton frère, ou bien fais triompher ton frère, ou bien soutiens ton frère, qu'il soit transgresseur ou transgressé. Et les compagnons lui ont dit, lorsqu'il est transgresseur, on peut le comprendre, le soutenir et être à côté de lui. Mais lorsqu'il est transgresseur, comment on va le soutenir? Il a dit, c'est de l'empêcher de commettre une transgression ou de commettre une injustice. C'est comme ça que tu dois être solidaire avec ton frère. S'il est transgresseur, tu l'empêches de commettre une injustice. Et donc, pourquoi? Parce qu'il est ton frère, tout simplement. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla, il dit « فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا » Réconciliez entre eux. Entre eux. Et il a utilisé ici le duel. « بَيْنَهُمَا » Il n'a pas dit « بَيْنَهُمْ »
Il a utilisé le duel qui ne s'utilise pas en français. Pourquoi? C'est pour dire que même à l'échelle individuelle, entre deux personnes, il a parlé tout à l'heure à l'échelle, de l'échelle collective, et là il est en train de parler de l'échelle individuelle, pour qu'il n'y ait pas d'amalgame, que personne ne dise « oui, mais il parlait de l'échelle collective, à l'échelle individuelle, j'ai rien à faire ». Non, même lorsqu'il y a un litige qui éclate entre deux musulmans, ça peut être un homme et un homme, ça peut être un homme et son épouse, une épouse et son mari, un homme et son enfant, un enfant et son frère, quelle que soit la relation qu'il y lie. Même s'il n'y a pas de relation familiale, le simple fait qu'ils soient des croyants, dès que vous avez le moyen, la dextérité de pouvoir intervenir intelligemment pour concilier entre eux, n'hésitez pas. Parce que ça, c'est un acte louable, très louable en islam. Si louable qu'Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, il n'y a rien de bon, il n'y a rien de bon dans la plus grande partie de leur conversation secrète, sauf si l'un d'eux ordonne une charité, voilà ce qui est bien. Si l'un d'eux ordonne une charité, une bonne action ou une conciliation entre les gens. Ça, c'est un des actes les plus bénis en islam. Une conciliation entre les gens. Et quiconque le fait cherchant l'agrément d'Allah, à celui-là, nous donnerons bientôt une récompense énorme. Donc, ces deux versets, chers frères et sœurs, que nous avons vus aujourd'hui, nous montre le lien qui doit être entre le musulman, cette fraternité que nous devons avoir entre nous. Regardez dans un hadith rapporté par le Bukhari, il est dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu demander la main de Aïcha à son père Abu Bakr, Abu Bakr s'est exclamé, il lui a dit à Rasulullah, je suis ton frère. Abu Bakr a cru que parce qu'il y a la fraternité de l'islam, donc tu n'as pas le droit de te marier avec ma fille. Et il lui a dit, mais ya Rasulullah, innama ana akhuk, je suis ton frère. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a corrigé. Il lui a dit, tu es mon frère dans la religion et dans le livre de Dieu. Mais j'ai le droit de me marier avec ta fille. Pour le corriger. Oui, c'est une fraternité symbolique. C'est une fraternité de foi. Et pas une fraternité de sang. D'accord? Et donc, ça vous montre comment les compagnons considéraient la fraternité qu'il est liée à l'époque. Au point qu'ils tombaient dans la confusion en pensant que c'est une vraie fraternité. Qui empêche certains types de mariage. Donc là on voit que l'islam a posé les bases de cette fraternité et les versets qui vont suivre dans la sourate, dans sourate al-Hujurat, vont essayer de protéger les musulmans contre toutes les causes qui peuvent écorcher cette fraternité. C'est pour ça qu'il va parler de sohriya, il va parler de riba, il va parler de l'espionnage. Tout ce qui va venir a pour objectif justement de préserver cette fraternité qui doit lier les musulmans.